Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est DarkAngel1462, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite redécouverte sur Freakstyle, sorti en 2002. En 2002, donc édité par EA et sorti sur PS2, GameCube et Game Boy Advance. Un jeu de motocross, un jeu de sport, comme j'en fais très peu, mais celui-ci m'a plu. Voilà. Donc un jeu de motocross un peu spécial, vous allez voir, avec des combos, etc. Donc je lance une carrière hein, directement, j'avais créé mon profil. Donc un jeu sorti en 2002 que je possédais sur GameCube et que je possède encore. Et ouais, c'est vraiment un des seuls jeux où je passais un peu de temps dessus, un peu à la manière d'un Tony Hawk Pro Skating. Et un jeu également en français. Alors là, c'est juste parce que c'est le commentateur parle en américain, en anglais, je veux dire ce que c'est le début, mais après. Pendant les cours, ce sera en français. Et un jeu vraiment nerveux. Très nerveux. Donc là, on se lance sur le circuit. On doit choisir un personnage. Donc on en a plusieurs. Donc celui-ci est bloqué. Nous avons Steffi, Gifford. Donc en gros, il y a des personnages à débloquer dans le mode circuit. Quand ils nous déblo quand ils nous défieront, le but c'est de gagner contre eux. Donc là, on a que trois personnages, je dis pas de bêtises. On doit avoir Mike, lui. Brian et Lian. Les autres, normalement, sont bloqués. Donc moi, je vais prendre Lian parce que j'ai commencé avec elle. Des tenues à débloquer selon un registre à faire. Donc, toi, vous faire tel combo, telle figure, suivi de telle figure en un saut, etc. Vous serez débloqué, etc. Et pareil pour les motos, on peut en avoir, mais il faut passer un certain cap dans le circuit que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, en gros, dans le circuit, d'avoir une quinzaine de niveaux. Et à chaque fois qu'on franchit un certain cap, on a la moto. Et ça, on le sentira plus tard. Donc voilà, niveau 1 sur 14. Voilà, 14 niveaux. Motorplex. Donc, 4, une touche freinée accélérée. Et une touche de boost. Et 4 touches pour des figures. Mais merci. Alors, c'est assez prenant quand même comme truc. Le système est pas mal. Donc quand je dis il y a 4 touches pour les figures, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 4 figures. En fait, admettons sur 4 touches, vous pouvez faire une seule touche, plus en maintenant la touche turbo, ça déclenche un deuxième tricks. On appelle ça des tricks. Donc en gros, une touche égale un tricks, enfin deux tricks avec le turbo. Et après, vous pouvez les combiner. Vous pouvez faire la touche L et la touche X, la touche L et Y, la touche Y et X, Y et R, etc. Par une, deux ou trois, par trois, jusqu'à trois touches. Donc, on peut faire LRX, LRY, XYL, XYR. Voilà, donc sur l'interface, comme on peut voir en haut à gauche, la position, le nombre de tours, donc 3 tours comme dans tous les jeux. En haut à droite, le nombre de points. En bas, la vitesse. En bas à droite. En bas à gauche, alors il y a une barre rouge sur la gauche. Quand celle-ci est pleine, on déclenche le Freak Out. D'où un peu le nom du jeu, le Freestyle. Le Freak Out. Et à droite, vous avez un peu une barre un peu verte-jaune, kaki. Ça, c'est la barre de turbo. Donc, je peux turboter. Voilà. Chaque fois qu'on fait des figures, on gagne des points, du turbo. Et aussi la barre de freak qui augmente, qui nous permet de faire une super figure et d'avoir un turbo à un moment sur un temps donné. Un turbo infini qui dépote sa maman. Bon, voilà. Donc, il y a différents. Il y a différents passages également dans ce jeu, le bar hop, le MacMed, c'est nickel. C'est limite, ça passe. Ça passe. Oh, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, il y avait quelques bugs aussi dans le jeu. C'est vrai qu'il y avait quelques bugs, on va sûrement en voir. Pour illustrer un peu ce que je vais dire, les personnages qui se collent contre une paroi, qui finalement se crashent quand même alors qu'il ne fait rien. Hop, ça vient, ça vaut des points. Voilà, il y a les figures, on peut en faire. Voilà, et là le Freak Out, regardez en bas est rempli. Alors allez, maintenant il faut maintenir les 4 boutons de tricks. C'est la seule figure que l'on peut faire à ce moment-là. Ah, je l'ai raté. Donc forcément, quand on tombe de moto, on perd un peu de la barre. Je crois que c'est la moitié. On va le refaire plus tard, c'est pas grave, on va l'avoir, on va l'avoir. Donc là, mode circuit, à chaque fois, il faudra finir dans les 3 premiers. Une fois que vous avez passé cette manche-là, il y a une deuxième manche, il faut finir dans les 3 premiers. Et après, vous avez une finale. À 6 également, où là il y a forcément quelqu'un qui vous défiera, il faudra finir premier.
Donc ce qui est bien, ce que je disais, c'est qu'il y a quand même pas mal de chemin hein, sur la route. On peut prendre à gauche, à droite, il y a des raccourcis de temps en temps. On va le voir. Hein. Vous avez vu, ça, c'est un petit souci par moment. Et les figures changent également quand on a des nouvelles motos. Selon les motos que l'on a, les figures changent. Alors, pas celles-ci, pas celles à une touche ou deux touches, mais celles à trois touches et à quatre touches changent forcément. C'est jamais les mêmes. Ce sont des figures plus complexes qui rapportent pas mal de points. Un hurt attack. Alors, on est presque au free card, regardez en bas à gauche. Alors, on va y arriver. C'est bon, on va se le faire. Yeah, c'est bon. Le turntable. Et alors là, c'est pas le meilleur endroit. Oh, c'est pas. J'ai que 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Alors, le but pour récupérer du turbo, du temps, je veux dire, c'est de faire des figures. Voilà, en plus, on a un x2. Et là, non, ben là, on va se foirer. D'ailleurs, le temps est repassé à 11 secondes. Parce que j'ai fait des tricks. Et le but, c'est de garder le plus longtemps possible le freak out. Et bien sûr, après, quand il y a des virages, bah, c'est compliqué. Hein. Et... Oh, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive plus, les amis, je n'y arrive plus. Je sais. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que je fais? Non, deux fois la même erreur. Faut que j'arrête là. Je vais en faire trop. Par moment, vous allez voir, c'est l'envie, c'est l'appât du gain, les gars. Plus vous allez en faire, vous vous dites, ah, je vais avoir des points. Je vais faire le freak out. Ben non, parce qu'on est nul, on se vautre. Faut pas trop en demander. Hein. Alors, à part si vous maintenez la touche turbo, vous n'êtes pas obligé, c'est plus... Enfin, vous avez vu, quand on fait un bar hop et après on fait un MacMets, pour faire le MacMets, il faut appuyer sur le bouton turbo, le bouton Z. Par contre, si vous ne le faites pas dès le début, on peut cumuler la première figure. Hein. Plus on le maintient longtemps en air, plus on gagne de points également. Ouh, le ravin. Et c'est au moment où on appuie sur Z que ça déclenche la deuxième figure. Voilà. On va pas être trop gourmand, il faut rattraper tout le monde. Le quatrième... On va faire un tour dans les différents modes. Non ! Et voilà. C'est pas possible. Ah là, j'en ai. Pas mal. Ah et non, punaise, c'est pas possible. Eh bah t'excites pas le commentateur, je me suis vautré. Oh mais c'est pas vrai. Croulouse, il a fait mal. J'ai appris à voler. Est-ce que c'est une vraie figure, ça, le Croulouse? Tu lâches la moto, tu voles, tu fais le pigeon et tu... Ah, la moto est trop lourde, c'est pas possible, non. C'est un jeu vidéo. Cinquième. Bon. C'est le coup d'essai, c'est pas grave. Voilà, donc là ça indique qu'on a fait des combos, on a fait des tricks, on a cumulé dans notre registre, donc des tâches à faire pour débloquer de nouvelles tenues. Donc on va changer de mode, donc course simple, freestyle. Alors là c'est
Freestyle, c'est un truc de points et freeride. Niveau circuit de course, essayer d'établir. Non, jamais fait. On va faire course simple. Et après, on fera le freak, le freestyle. On va faire une autre course. Je vais quand même de montrer une autre course. Hein. On les a pas toutes, je crois. Hein. Alors, ça, ok. Ça, je l'ai. Ah, la forêt de feu, on l'a pas. Ah non, on n'a pas grand-chose. On en a que deux, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je crois qu'on va devoir se faire. Ah, putain, mais mec, la fusée, elle était pas mal. La rampe de lancement, voilà. Il y avait pas mal de niveaux, même à un moment, avec le... Un truc taillé en oreille de lapin, là. Il y avait des bons circuits, quand même. On se marrait bien. Un jeu jouable à deux, j'ai oublié de vous le dire. Hein, il y a un mode de joueur. Les chutes risquent d'être nombreuses sur ce tracé. Ah oui, c'est sûr. Utilisez votre puissance avec mesure, sinon vous allez rentrer à 200 à l'heure, tête la première, dans un mur. Eh ben, c'est ce qu'on aime. Se prendre des trucs en pleine tronche. La compétition looks a little weak today. Alors. Sois le premier à franchir la ligne. Allez. On va pas être gourmand, on prend son temps. Alors, à savoir que plus vous répétez une figure, moins elle aura de points et moins monter votre jauge de freak out également. Faut vraiment varier les plaisirs, on appelle ça. Gagne du turbo avec des trips. Plus vous faites les mêmes, moins vous aurez de points. Alors là, vous avez vu, il y a les flèches vertes et rouges. Moi, j'ai pris la rouge parce que c'est la plus grosse rampe et les vertes, c'est les petites rampes. C'est les sommets le plus sûr. Aïe, vous voyez plus grand. Donc en gros, là, dans ce circuit, il va y avoir pas mal de bifurcations comme ça. Allez, chariot, la mine, les gars, le screw. Ouh, ça passe, très net. 12 000 points, magnifique. Et j'ai pris le VR, zut. Ouais, je suis plus deuxième, là, qu'est-ce que tu me racontes? Bleu, c'est un chemin normal. Je crois qu'il n'y a même pas de cascade. Rien, petit... Ah, oui, il y avait un chemin, j'avais pas vu. Il y a un autre chemin au-dessus. Un Superman. Allez, deuxième, on est pas mal. Et non, le bout de grave, mais non. Que je suis bête. Pourquoi je le fais? Ah ici merde, il y avait un passage là. Je m'en souvenais, c'est en passant dans le virage, il y a un passage là. De toute façon, il y avait les boîtes devant. Bah là, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien là. Et bon, il n'y avait pas de boîte, si je vais essayer. Ah bah oui. Allez, on prend rouge. Il nous faut la barre de freak out là. Laissez passer. Mais non. Ah oui, je disais, donc après il y a d'autres modes également hein, qu'on va faire aussi. C'est un mode où on est dans une arène. Et il y aura des tricks à faire. Des tricks non-stop pour avoir le maximum de points. On est seul dans l'arène. Ça passe pas. C'est toi le boss. Un kickbox
J'avais pas encore fait ça là, tiens, kickboxer. Ah, il y a des touches que j'ai pas encore faites. Ah, le rodéo non plus, ouais. Ah, bah j'ai pas encore fait ces figures là. Un kickboxer et un rodéo. Un roundhouse. Ah, il a la barre où on c'est bon. On va essayer le deuxième. Kickboxer, rodéo. Disco can. Donc ces figures là, elles changent selon la moto. C'est pas possible. Voilà, ce qui est cool quand même, c'est que les ennemis se foirent aussi. Hein. Ils se vautrent. Hein. Des fois, vous allez les voir voler ou alors redémarrer. Heureusement. Heureusement. Quelques tricks de plus et c'est parti pour un freak out. Voilà, j'ai eu le passage, vous avez vu. Et zut. C'était le raccourci. Ouh, c'est mal celui-là. Je pensais que je décollerais plus haut que ça. J'ai plus de turbo. Oh non. Oh. Mais merci de me le rappeler. Je suis pas dernier, là oui. Mais non. Ah, énorme. Bon, on va passer au vert, on a plus de turbo. Hein. Ouais, j'essaie de faire des trucs plus variés là. Dernier tour. Après pour 2002, voilà, c'est un jeu que j'ai eu également avec la GameCube. Quand on a acheté la GameCube, comme j'avais déjà dit je crois dans d'autres vidéos, j'avais ce jeu, j'avais Star Wars Rogue Squadron 2, vous savez le Star Wars de la GameCube, le jeu de shoot. J'avais eu Resident Evil Remake aussi, l'exclusivité GameCube. Et j'avais. Ben, je crois que c'était. Non, c'était pas Mario Sunshine, si, si. Et Mario Sunshine, je crois, en même temps. Et c'était un kiff à l'époque de découvrir ces jeux, quand même. Les jeux qui m'avaient mis une claque quand même, bon, celui-ci il était énorme, après le Star Wars Rogue Squadron m'avait mis une claque quand même, avec l'étoile de la mort dès le début. Les chasseurs TIE, les X-Wing. Et puis le Resident Evil surtout, le Resident Evil Remake, énorme. Mais merci. Alors on va se taper un freak out juste à la fin. On essaye, il y a une sortie en haut. Et un buzz cut, oui c'est bon, allez. Une belle, un beau saut là. On va essayer de tenter bol. Non. On va pas le faire là. On a le temps. Encore un peu de temps. Il nous reste une quinzaine de secondes, je dirais. Et c'est quitte. Là, c'est bon. Le turntable. Et on y va. Turbo. La figure. Ah non. On va éviter. Je vais trop vite. Tant pis. J'ai gagné un peu de turbo quelques secondes. On est arrivé. Allez, on est premier, on est bon. Et un finger point. Même après toutes ces années, je me souviens quand même la combinaison. Elle était sûre, j'étais pas très haut. Non, c'est la fin en plus. Oh non, pas juste là. Troisième. Oh, sur le circuit, ça suffit, troisième. On va se faire le machin. Les figures. 28 sur 50. Veux-tu écraser? Oui, bien sûr.
Alors. Freestyle. Là, ça va dépoter. Oups, j'ai quitté. Allez, donc ça, c'est les tricks, vous voyez, faisables, toutes, avec toutes les motos. Là, c'est la moto Hot Stuff, donc ça, je ne l'ai pas encore débloqué. Donc, il faut absolument faire le mode circuit pour débloquer d'autres choses, et donc les tenues, etc. Cela, j'ai fait la plupart. Il m'en reste une, et là, voilà, il y a les combinaisons. Il y a quand même les touches, quand même, qui informent. Donc ça, c'est les tricks, et après, il y a les combos. Et les combos, là, c'est un mélange. Ça peut être des buzz cut x2, heart attack x4, etc. Donc ça, faut bien les faire un par un, et puis essayer de les caser quand on peut, quoi. Surtout dans ce mode-là, ça marche bien. Alors, Feel the Pain, le crash pad, vous m'en souvenez. The Burbs, plus trop. Moi, j'aime bien le Feel the Pain et le crash. Surtout Feel the Pain, il est simple. Excusez-moi. C'est parti pour un peu d'adrénaline. Feel the Pain. Allez. Et non, le nom n'a pas suffi à me faire peur. Feel the Pain sans la douleur. Faisons des points. En 3 minutes. Allez, c'est parti. 3 minutes pour s'amuser. Essayer d'avoir le freak out le plus longtemps possible. Donc là, c'est le truc où il faut se faire plaisir. Ça passe limite. Hein ? C'est quoi ce buzz ? C'est quoi ça ? Ah non, j'étais passé. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Voilà, je maintiens, j'arrête. Bravo, allez. Et un knack-knack. Ouais, là, il faut varier les figures pour avoir des x2, x3, x4. Voilà, no ender, x3. Vous avez vu, j'ai fait 3 figures différentes. Donc, du coup, j'ai un x3. Ouh, joli. Et oui, le freak out et le jump table. On y va, et un deuxième, ça me fait plaisir. x2. Allez, alors là, maintenant, le freak out, on a 6 secondes. Là, en faisant des tas de figures, on peut le cumuler. Allez, x2, boum, hop, 14 secondes. Allez, c'est le moment. Oui. Oh, joli. Non, on arrête. Allez. Parfait. Bien sûr, en cumulant comme ça, c'est bon aussi. Ça passe. Allez. Oh oui. Eh oui. Parce que là on décolle vraiment plus haut avec le turbo. Oh là. Le mur. Il est chaud. Là, allez. C'est bon, on accorde 12 secondes. On garde. Non. Oh le mur. Ah là c'est moi. C'est pas le mur, c'est moi. C'est pas grave, on va se retaper un. On va s'en refaire un. Yeehaw ! Joli. Hein ? J'ai pas compris. Peu importe, tu m'étonnes. J'ai pas compris. Aïe, j'appuie sur la mauvaise touche. Le body shaker, le heartbreaker et le body shaker font mal. Back shaker, body shaker. Back breaker et body shaker. Donc ça c'est les touches à 3 parce que c'est les grosses manips. Hein. C'est les figures qui durent le plus longtemps donc forcément c'est les touches à 3 boutons. Et celles-là sont compliquées. Ça c'est les simples, c'est une touche. Parfait. On va peut-être avoir le freak out avec 15 secondes, ça va être chaud. Disco can. Ah, ça va être chaud. Bravo, on a fait des points. Non. Mais non. Zut. 191 000. Ah, vous avez compris un peu le principe. Alors, un nouveau trick, c'est le dernier. Deux nouveaux combos. On fait des combos et des tricks, les gars. C'est ce qui compte.
Allez, on va se réessayer quand même la petite histoire. Hein. Histoire de passer au moins la première manche. Donc c'est bien, il pensait déjà au stick droit ici, hein, de la manette GameCube, pour accélérer et freiner, pour ceux qui préfèrent. Elle était énorme cette manette GameCube. Hein. Elle l'est encore, hein. Moi je trouve que c'est une des meilleures manettes. Hein. Manette GameCube en prise en main, elle est top. Oh non, pas dès le début, au secours. Pourquoi je tombe dès le début? Bien sûr. Il n'est plus très loin. Oh, ça fait mal. Imaginez ça en vrai. Ah ouais, franchement, ça, ce jeu, c'est peut-être un des meilleurs jeux de course auxquels j'ai joué, parce que ouais, c'est celui-là, il m'intéresse. C'est pas juste un jeu de course classique, il y a des figures, il y a le freak out. Il y a un certain intérêt. Je suis pas très fan des jeux de course classiques, moi. Même du jeu de sport, hein, je vais dire. Jeu de sport, vous regardez ma chaîne, j'ai pas énormément de jeux de sport. Hein. Je sais pas grand-chose, hein, tout ce qui est FIFA, PES, machin, Formule 1. Ouais, si j'en ai fait quand j'étais gosse sur PS1. Sur NES, NES oui, hein. NES, Master System, 8 bits, 16 bits, oui si, vous allez trouver quelques jeux de sport. Mais même encore actuel sur les plateformes récentes, ça m'intéresse pas en fait, les jeux de sport. C'est vraiment un des seuls qui a retenu mon attention. Ouh, joli. 22 000 points. Allez, on essaye, allez. On essaye. Oh la barre, ah non c'est bon. Non, non, non. Ah, je suis pas passé. On va se calmer, il y a un freak out en jeu. T'excites pas le commentateur avec tes freak out. Je sais, on va le faire là. C'est bon. C'est bon. Voilà. Oh. Oh là là, mais c'est quoi ça encore? Pourquoi j'ai volé comme ça à ce point-là? Ouais, y a quelques petits défauts, voilà, je trouve comme ça de temps en temps, qui font que vous vous plantez sans savoir pourquoi. Malheureusement, ça ne sera plus corrigé. Hein, mais... Voilà, hop, l'ennemi est tombé aussi, vous avez vu. Tais-toi. C'est pour faire des réflexions à la con, tu te les gardes. Pour avoir de turbo, tu dois faire des tricks. Et qu'est-ce qu'on fait depuis une demi-heure, espèce d'idiot? Allez, on va essayer. On va faire une très grosse ici. Ça passe. Allez, il faut finir dans les trois premiers. Ouf, c'était limite. Non, 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 stop. J'ai stoppé, vous avez vu, j'avais commencé une figure, j'ai arrêté. Allez, premier. Ah, j'ai fait la mauvaise. Trop longue, le knack-knack. J'aurais dû faire un one-hander. Un no-hander, pardon, vous venez de dire. No-hander! Ou un no-footer. Oh là là, oh, je me suis pris la vie. Les pauvres gens, ils sont pris. Télétribune. Allez, dernier tour, troisième. Je sais. Derrière toi. Encore Goma.
Et un basket. Allez, on se concentre. On va y arriver. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Maintenant que j'y pense. Ah, j'y pense, il y avait une figure aussi que je n'ai pas fait. On va essayer de la faire un peu plus tard, je vais essayer de la faire après. Il y a une figure qu'on n'a pas fait, qui consiste juste à maintenir le stick de direction en l'air, soit à gauche ou à droite, et de maintenir Z, le bouton de turbo, et ça nous fait un twister. Alors, elle apporte pas beaucoup de points, malheureusement, c'est dommage, vu le temps qu'elle met à être fait, celle-là. On va déjà finir la course tranquille. Allez. Ça va être compliqué, là. Ça va être chaud. Chaque fois que je me le prends... Oh, je l'ai fait, mais j'ai peur de me bouffer la barre. Je vais me bouffer la barre. Oh non! Comme tout à l'heure. Bon, juste à la fin, ça va. Premier, yes! Donc on est qualifié pour la seconde manche. Ah, ça s'est joué à rien du tout en fait. Ça joue à 2 secondes près. Voilà, super trick, 4 boutons. Fais-le quand le freak out est au maximum. Manche numéro 2. Il n'y a rien qui change, si ce n'est que les ordis sont plus agressifs. Et encore dans les 3 premiers, et à la fin, vous avez quelqu'un qui va vous défier, et si vous le battez, vous n'aurez pas le choix, il faudra finir premier pour gagner. Et il faut faire ça à tous les niveaux. Oh là, bah regardez, ça c'est un bug qu'on avait récurrent aussi. Regardez, on a l'impression qu'en fait elle a eu du mal à se poser. Voilà, la moto a eu du mal à poser les roues avant, et ce qui fait que ça bug. Voilà, bah ça c'était un bug récurrent. Celui-ci, il était violent. Ah, celui-là, j'en garde un mauvais souvenir. Il fout la merde. Ouais, je vais tenter un truc après. On va se tenter un truc. Allez, allez. Twister. Ah, raté. J'avais dit que j'allais essayer. On va le refaire. On va le refaire. On va devoir se quitter quand même. On va le refaire. Pas ici. On va le faire juste après d'avoir une grande rampe. On va le faire là. On va le faire ici, le twister. Juste à maintenir gauche ou droite et bouton turbo. Oh, allez! Ah, ça vaut pas beaucoup de points, ça vaut plus 1000. C'est dommage. Parce que vu le temps que ça met à faire. Après, dans les combos, ça compte. Je crois qu'il faut faire 3 twisters d'affilée ou 4 twisters à un moment. Alors, celle-là, c'est une des. Il faut savoir qu'il y a encore des rampes encore plus grandes. Hein. On peut sauter vraiment d'un peu plus haut encore. Hein. C'est énorme. Enfin voilà les amis, on se laisse là. C'était donc Freakstyle. Ah, c'est le jeu de la bugger. Ok. Bah, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, mettez la clochette des notifications. Et je vous dis à bientôt. Et ouais, ciao les amis. Portez-vous bien.